Bien le bonjour, le bonsoir, le bon appétit et le bon caca sur le trône. Aujourd'hui, je vais ressembler à un Père Noël. Pourquoi ? J'en sais rien, j'aime bien me lancer des défis comme ça. Et pour ce faire, je vais devoir me vieillir de quelques dizaines d'années. Et pour ce faire, je vais me teindre toute ma pilosité faciale en blanc. Ouais, comme je disais, je sais pas trop pourquoi je me lance des défis à la con comme ça, mais j'espère que ça va être drôle, et puis... voilà. Mais alors c'est parti, changement de vêtements. Ah, voilà, maintenant, teinture. Oui, tu peux venir. Madame la teintrice. Alors, comment qu'on allons procéder? Je sais pas, faut que ça sur le crâne, on verra ce que ça. J'ai déjà peur. Déjà, j'ai l'impression de subir une opération chirurgicale avec tes gants. Bon, bah... Ah, c'est déjà directement, faut mettre sur la tête, ça? Oui, c'est ça. Nous appliquons donc, premièrement, une décoloration. Donc, le Bruno ici présent va se retrouver avec les cheveux blonds, voire jaune pipi. Puis, nous allons appliquer une teinture bleutée, puisque du jaune plus du bleu, bah, ça fait un peu, genre ça compense et on arrive à peu près à du blanc. Du moins, j'espère. C'est bien parce que ça dure longtemps et t'as bien le temps de réfléchir à ta connerie, tu vois. Alors, c'est le temps papier toilette pour se nettoyer la bouche et tout le bordel parce qu'elle en a foutu partout. Voilà. Ça va, hein. Et puis sinon, on se retrouve dans 25 minutes, le temps que la première teinture, qui n'est pas une teinture, qui est une décoration, agisse. Et voilà, maintenant, faut aller se laver les cheveux. Une fois les cheveux rincés, nous pouvons apprécier ma magnifique teinture blonde. Parce que je le vaux pas bien. Maintenant, on entame la suite qui est... teinture blanche. Ça te va bien, un jaune pisse quand même. Et c'est parti! Tada! Maintenant que je ne ressemble à rien du tout, je vais rester avec cette tête qui ne ressemble à rien du tout pendant 30 minutes. Allez, salut! Il va falloir plus de bière pour noyer ma désespérance. On dit pas désespérance. Premièrement, le décolorant me disait « Le résultat sera plus foncé que la photo du modèle. » Alors étant donné que la modèle a les cheveux on ne peut plus blonds, voire même blancs, je m'en doutais. Mais de là à ce que ce soit jaune pipi comme ça, hein, bof. Qui plus est, avec la dose de cheveux qu'elle a, je ne suis pas sûr qu'elle arrive à se décolorer tous les cheveux avec le petit flacon de décolorant que j'ai eu. Bref, la teinture de Manic Panic ensuite, qui était censée être une teinture bleu clair, je crois. Ouais, blanc, mais bon, enfin... toujours est-il que cette teinture n'a absolument pas du tout fonctionné, mais vraiment, genre, pas du tout. Ça m'a peut-être un tout petit peu éclairci les cheveux, mais je suis passé de jaune pisse à jaune un peu moins pisse. Génial. Ouais, bah moi qui voulais tout simplement m'amuser à faire tonton Père Noël ou, je sais pas, à donner un style un peu bizarre, et bah je me retrouve avec les cheveux blonds. Et c'est nul! On est content! Voilà, je sais pas trop quoi d'autre dire. Si vous voulez faire une teinture, je sais pas, allez chez un coiffeur. voilà. Je vais essayer de noyer mon désespoir et puis. Salut! Pensez quand même à souscrire à une bonne soirée et de passer un agréable abonnement. Bisous!
bisous. Urinéal, parce que je pisse jaune.